Ok, aujourd'hui je vais rester enfermé pendant 24 heures dans ce camion. Et en plus j'ai un bon matelas. Oh la dinguerie. Bon mec, t'es prêt pour cette journée? Vas-y. Ok, c'est parti. Attends. Est-ce que vous savez, je peux trouver un bon cadre de travail? Imaginez juste, c'est vraiment mystérieux. Genre sur les fesses. Ça va être compliqué ces 24 heures. J'en rajoute zéro là. Là je suis en train de me dire mais comment je vais tenir. Bon, en attendant les gars, moi je vais vous faire visiter mon petit appart. Ok, alors du coup, ici nous avons du coup la chambre pour dormir. Wesh. Putain mais comment il a fait Michou les gars? Vous vous souvenez dans la vidéo choisir la bonne porte avec Michou, il était debout. C'est exactement le même camion les gars. Comment il a fait? C'est un malade. Ensuite, nous avons le petit coin détente avec la petite chaise de camping. On va pouvoir manger dessus ou faire d'autres choses, j'en sais rien ce qu'ils m'ont prévu aujourd'hui. Ensuite, ici nous avons le petit panier de basket. Ils m'ont mis ça pour me divertir. Mais regardez la balle qu'ils m'ont donné avec. C'est honteux. Comment tu veux que je me divertisse avec ça? Si je la mets, vous devez tous vous abonner immédiatement. Oh j'ai plein de trucs, regardez j'ai quoi. Un truc pour faire du ping-pong, un Rubik's Cube. Oh, j'ai de la peinture. Mais oui, regardez. J'ai un truc pour faire un tableau. Je vais devoir peindre. Peindre dans un camion. Oh bâtard, j'ai mal au crâne, enculé. En fait, j'ai pas quoi regarder. On est avec Bastos et il va devoir faire le premier défi de la journée, c'est le Tricks Challenge avec Anthony. Salut. Ça va toi? Je rentre. C'est une petite marche. J'ai pas le même van moi. Ça va toi? Ouais, tranquille. Et attends, on va faire quoi là? C'est quoi le Tricks? Bon, et du coup là, ouais. Toi tu sais ce qui se passe? Non. C'est un trick shot. T'as l'habitude d'en faire ça des trick shots? Je m'en vais vite fait. Hein. Bon, bah parfait, comme ça je vais le défoncer. Ah, t'es chaud toi? Ouais, moi je suis chaud en basket. Ok. Je sais faire des avions en papier. Est-ce que tu vois vers où on va? Mettre un avion en papier dans le panier de basket. Exactement. Mais est-ce qu'il est trop grand pour rentrer dans ce golden panier? Tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui m'inquiète. Oh bah alors là. Attends, je peux en faire un deuxième. Celui-là il pique, mais... Ah ouais. Regarde ce que j'ai fait. Je me souviens plus du truc. Ah oui, en plus toi t'arrêtes pas de faire n'importe quoi. Attends. Allez. C'est une victoire. Oui. Mais c'est pas possible. Eh bah écoute, en tout cas ça me fait plaisir d'être venu. Bah merci à toi. Parce que je vais, comme ça je vais pouvoir découvrir un petit peu ta chaîne YouTube. Vas-y. Je connaissais pas. Je te souhaite bon courage dans ton périple à l'inconnu. Ouais, j'espère que ça va bien se passer. Donc pour l'instant la première activité, bah c'était cool pour moi, je suis content. Et en plus, dit avoir gagné, me montre qu'il y a égalité. Hein. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, en vrai de vrai. Bon, je joue un peu au ping-pong et après je fais la peinture. On va se mettre là. Hop. Bon, en tout cas, je vais mettre comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de mon dessin? C'est moi dans le camion. Bon les mecs, j'ai bientôt arrivé à la bouffée qui rencontre Agoné. Et je sens qu'Anthony, là, il en peut plus du trajet, il s'ennuie de ouf. Il est tout seul derrière, il ne fait rien. Bon, là, il croit qu'il y a les, flics. Mais en fait, ce sera cette type d'abonné. Vos prénoms? Flavien. Anne-Sophie. Sandra. Et là où tu es? C'est quoi, j'ai vraiment eu peur, sa mère. Ça a marché. Bah oui, ça a marché, mec. J'avais un petit doute quand même. T'es trop fort. Vas-y, vas-y. Eh, je suis nul aussi. Hein. Un zéro. Trop fort. Les gars, faut jouer très doucement. Oh putain. Bon les gars, je vous explique, entre vous deux, vous avez une carte chacun. Ça c'est la mienne, ça c'est celle-là, c'est grave. En gros, vous allez devoir acheter un produit tous les deux, séparément, ce sera pas le même produit qu'on va vous dire tout de suite avec CA. Le premier qui le ramène ici, il gagne 50 euros. Vous êtes prêts? On va vous dire, tu vas devoir acheter pour moi, et il va devoir acheter pour toi. 1, 2, 3, des chocobons de cornichons. Un bocal de cornichons? Moi je veux des chocobons, moi. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, 3, 2, 1, let's go, vas-y, chocobons. J'ai failli tomber. Sur les cornichons. Les cornichons sont là. J'en peux plus. J'ai pas les boucles de cornichons, moi. Oh la catastrophe. Excusez-moi. Est-ce que vous savez où je peux trouver un bocal de cornichons? Ça va être au niveau des concerts. Tout là-bas? Ouais. Ok, merci. Cornichon. Mais il a gagné là, c'est sûr, il a gagné. Cornichon.
Oui, tu... Oh, j'ai gagné le champion. Oh, mais ils sont comment? Oh, merci, mon gars. Incroyable. Attends, cache-toi, fais genre que t'es pas encore arrivé. Ah oui. Ouais, viens, viens à l'intérieur, viens à l'intérieur. Cornichons au vinaigre, je m'en fous. C'est des cornichons, quoi. Allez, go, go, go. Mais j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. La viande! Les cornichons! Yes, il est là. Il est pas là. Tu vas à Chocobon? Les gars, moi j'ai eu mes chocobons avant les cornichons. Heureusement, parce que j'en voulais pas de cornichons. Donc tiens. Bien, tu t'es amusé avec les abonnés. Vraiment, c'était trop bien, mec. Merci, ça m'a diverti 100%. J'en pouvais plus d'être tout seul, je te jure. Mec, chaque seconde que je m'endors dans le lit, genre, je me fais réveiller par un mode, tu fais une déviation ou un truc, je me dis, à tout moment, là, je crève. J'ai trop peur, mec. Bon bah. Vas-y, mais on reste ensemble. Non, mec, je suis désolé, nous, on est bien dehors. Non. Bon, les gars, franchement, avec les abonnés, c'était trop cool. Ils m'ont diverti, on s'est bien amusé. Ça m'a fait grave plaisir de parler avec eux, d'échanger. Vous rencontrer, ça me fait toujours plaisir. Mais là, sous ce contexte-là, encore plus. Mais je voulais absolument vous faire gagner quelque chose. Et en plus de ça, que j'ai adoré, c'est que le petit qui a mis les 50 euros, il s'est dit, vas-y, je paye McDo à tout le monde. Donc, je suis trop content de leur avoir offert un petit McDo pour tous ces trop cool. Bon, les mecs, faut bien manger dans les 24 heures. Du coup, on a fait une surprise. Il va goûter pour la première fois les pizzas Domino's de Inox. La Domino's. C'est parti. Livraison. Livraison spéciale, mec. Oh là là là. Franchement, t'as mérité ta Dominox, frère. Ah, mais avec moi en plus, on mange ensemble. Ah ouais. Allez, vous m'accompagnez. C'est quoi le mieux, la Dominox ou ma compagnie? Franchement, ta compagnie. La Dominox. Mon gars, donc là, on va tester la Dominox. Ouais, bah, je voulais une pizza classique. Là, là, là. Putain, Inox, t'as géré. Hein. Ok, bah, c'est parti. Hein. Ok, c'est parti. On va goûter la Dominox. En vrai, c'est tout ce que j'aime dans une pizza, mais c'est vrai que le chef, je sais pas de base ce que je mets sur une pizza. Alors je kiffe, juste j'avoue le chef je pense ça nique un peu tout. Et toi? Bah j'ai le moyen. Bon là on s'apprête à aller dans un Airbnb. Eux vont dormir, moi je vais dormir ici tout seul. Après avoir mangé j'ai mal à la tête. Les gars actuellement sur ma chaîne vous êtes plus de 130 000 à me suivre. C'est une dinguerie, merci énormément. En ce moment pour me livrer un peu à vous, en ce moment c'est très dur parce que je fais plein de tournages. J'essaie de m'avancer pour avoir le temps quand même de vivre. Parce que c'est dur de mélanger YouTube, TikTok, réflexion, trouver des idées avec ma vie perso. En vrai dire j'en ai plus trop. Mais après j'adore mon métier, c'est un rêve pour moi, donc je suis trop content. Et j'ai l'impression que plus je m'avance, plus je fais beaucoup de vidéos dans la même semaine ou quoi, et plus j'ai l'impression que je suis déçu à chacune des vidéos. Genre, j'arrive pas à rendre un truc bien et elle marche de moins en moins. Eh, c'est compliqué, YouTube. Hein. Mais c'est ça que j'aime aussi, c'est parce que il y a ce challenge. Parce que TikTok, si imaginons j'arrête YouTube et je me dis vas-y, je garde que TikTok, je pourrais très bien en vivre et ça marcherait bien tout le temps et serait beaucoup plus simple. Mais c'est ça que j'aime bien avec YouTube, c'est qu'il faut se prendre la tête. Il faut toujours se renouveler, toujours se remettre en question, c'est ça que j'adore. Je vais pas tarder à dormir, je sais pas il est quelle heure. Il paraît que demain on doit se lever tôt. Ils viennent de me ramener le talkie-walkie parce qu'il y avait plus du tout de batterie, on a dû tout recharger, il y avait plus de batterie dans les lumières, dans les caméras, tout. Là ils m'ont ramené le petit talkie avec un papier. Il était trop sûr de lui. Indice pour demain. C'est un faux indice. Mister V. Mais c'est Mister V, c'est sur la pizza pour la pizza des mamas. Imaginez juste, c'est vraiment Mister V. Impossible. J'avoue que j'ai un peu peur de dormir tout seul ici. Le truc, on peut pas le faire à la clé, donc à tout moment, un mec il rentre. Les talkie-walkie sont allumés, mais le problème, c'est que j'ai des potes qui me répondent pas. Regardez. Bonne nuit, les gars, à demain. Bisous. Bon, petit réveil. Je suis fatigué, mais je me suis très bien reposé. Mis à part que j'avoue que j'avais un peu peur dès que je me réveillais, j'étais en mode. Genre j'avais trop peur en fait de me faire prendre cette nuit, qu'ils me fassent un truc de fou, genre qu'ils me fassent peur. Au final ils l'ont pas fait, c'est pas des gamins. Que tu vas devoir faire durant ce trajet car tu croyais que t'allais te reposer dans ton joli matelas. Tu vas devoir gonfler 100 ballons, mec. Oh non. Les mecs, dernier happening de la vidéo, c'est le meilleur pour la fin. On est accompagné de Bouzy et de Jim, et de Jim qui vont faire une dinguerie sur deux. Ça va, mec? Je te dis, qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est gentil de parler que ça donne ma chambre. C'est ta chambre? T'es pas prêt pour ce qui va t'arriver là, mec. J'ai ramené mon poteau Jim, il fait des beaux massages. Non, je rigole, il est tatoué. Et là, c'est moi qui vais te tatouer, mec. Et lui, il va juste être là pour superviser. Ouais, les ballons. T'es chaud? Bah, vas-y. Allons-y, vas-y, Jim. En plus, j'en ai deux, je voulais en refaire un, mais je savais pas quoi faire. Bah, là, je sais ce qu'on va faire là. Ah bon? Ah, il a tout créé tout. Là, t'as pas le droit de choisir. Je pourrais aller mettre allongé carrément. Est-ce que tu veux que je le fasse pas n'importe où, je sur les fesses? N'importe quoi. Moi je pensais que c'est toi qui allais. En fait, il y aura un truc où t'auras un truc sur la fesse gauche et un truc sur la fesse droite, ça va faire un. Vas-y. Alors vas-y, mets-toi dos à moi et relâche le bras genre en position naturelle. Là.
Nickel. Alors te fie pas au dessin, ça va sans doute pas ressembler à ça, mais on va essayer. Attends, on dirait un prisonnier genre qui a un numéro. Je vais tout donner hein, pour que ça ressemble à ça. Fais le mieux que tu peux. Je fais le mieux que je peux. Ouais. Après, évidemment, ça serait sans doute pas parfait. Mais je vais tout donner les gars, sachez que je vais pas faire exprès de troll hein, les gars, c'est pas possible. Ah bah, je pense du coup après ça sera le dernier. C'est parti, t'es prêt? Non. Ça va? Ça va. Ça, c'est un beau trait. On est en route vers le diplôme là. On est en route vers le diplôme. Putain, elle faute. Là, je tremble un peu, non? On le 3, il y aura des virages malheureusement. Il y a un petit style graph un peu. Ouais, j'aime bien. En vrai, je suis content. Gratté sur le mur d'une garde à vue avec un caillou, tu vois. On dirait qu'il est fait comme ça. Pour le coup, je t'avoue, je suis plutôt fier de moi et fier de toi parce que t'as pas du tout beau. Ah, mais en vrai, il est bien. Ah oui, il est bien. Mais t'as géré? Il est même plus beau que si je l'avais fait parfaitement. Merci, mon ref. Pas de problème. Merci à toi d'avoir géré quand même, qu'il passe pas des grosses catastrophes. Merci du coup aussi à Jim, comme tu dis, de la maison tatou, mon tatoueur officiel ici. Oh mec, c'est bon, ça fait 24 heures que t'es dans ce foutu camion. Mec, j'ai un tatouage et je peux sortir. Tu en pouvais plus, c'était horrible. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci beaucoup, frérot. De rien. D'avoir tatoué. Merci de l'avoir aidé. Et c'était trop cool, j'ai adoré les happenings. J'ai rencontré des gens que j'avais jamais vus, donc trop bien. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Gros bisous. Salut. Salut les gars.